Allez, suite du let's play sur Pikmin 4, toujours sur Nintendo Switch, bien entendu. Alors, on était ici, on était là, on était à cet endroit, on était par là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Il est midi, en tout cas moitié de journée. Là, il y a notre truc ici, on va aller voir ce qu'on a à faire dans cette zone. On va regarder la carte. Ah oui, le ici, attends, le je veux sortir, merci. Le lac gelé. Il y avait un lac gelé, on n'avait pas pu voir parce qu'il me manquait des Pikmin. Il en faut combien déjà? Il en faut beaucoup, hein. Il en faut 30, il me faut que des... On va faire ça. On va ramener la base ici. On va prendre que du... On va monter tout ça. On va prendre que du glace. On va voir ce qui se cache là-dedans. Ah, j'en ai pas assez. Ah non. Ah, j'en ai pas assez. Ah, dommage. Ah mais j'en ai pas assez. Bon, tant pis. Il m'en manque 2. Il en faut 30, hein. Waouh, il m'en faut vraiment le... J'en ai pas assez. Bon, c'est pas grave. On fera 100. Oh, attends, on va aller voir ici déjà. On va faire tomber ça si on peut. Ah oui, on peut passer ici du coup. C'est vrai. Je vais juste voir ce qu'il y a là-bas. Voilà, il y a un pont... Faut terminer. Oh, attends. Ah oui, ça déjà. On va faire ça. On va s'occuper de tout ça, essayer de dégager le terrain au maximum, après on verra. On peut faire. Ok, ça c'est fait. Le vaisseau, est-ce qu'il a un endroit où je peux le... Ah, il est là, de toute façon il est à côté. Ok, on va s'occuper donc de cette zone. Le bestiau. Allez, ça, on récupère aussi. On va péter ça déjà. On va essayer de casser ça plutôt. Je me demande un truc. Si je déplace ma base, parce que là je... Il y aura peut-être une nouvelle base ici. Ah, oh, ça a été long. Oh là. Ah, il y a un passage par là. Oh, très bien. Allez, vas-y, va aider. Allez-y, mes petits. Il y a pas mal de choses à voir encore ici. Il y a même beaucoup de choses à voir ici. La petite montre goussée.
Michel, Ochin, vous avez réussi, bien joué. Avec toute l'énergie que vous avez récupérée, nous pouvons poursuivre les réparations du radar de Shepard. Il reste pas beaucoup de temps avant la nuit. Bon, de toute façon, là, on a ouvert le passage, donc ça c'est bien. Je vais récupérer ça. Attends, là-haut, je pourrais pas, je pense. Je veux viser ça, s'il te plaît. Il m'en manque? Sérieux? Mais j'en ai deux là qui me suivent, attends. On va être pris par la nuit. Ah, il vient. Ah, il continue. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il continue. Ah ouais, ils continuent leur chemin. Ok, ça va. Ça va, ça va. Ils continuent. Ça, ce truc là-haut, faudra le prendre. Ils peuvent pas l'atteindre. Comment ça, ils peuvent pas l'atteindre? Ah, faut peut-être un jaune. Je pense qu'il faut que, j'envoie un jeune. Ah, il m'en manque un. Ah mince, j'ai perdu un Pikmin. J'ai perdu un jeune. Ah, il est peut-être mort. Il est peut-être dead, hein. J'ai peut-être perdu un jaune, je sais pas. Allez, vas-y. Faites votre boulot, les potes. Ouais, j'ai dû perdre un jaune, j'ai pas fait gaffe, j'ai perdu un jaune dans la bataille. Donc ça nous permettra d'avoir plus de Pikmin, c'est ça? On est 30, peut-être passer à 40, ça serait pas mal. Donc on peut compter 10 Pikmin de plus. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Du coup, on va arrêter l'explo pour aujourd'hui. On va passer la nuit, on va zapper les cinématiques, hein. On les a déjà vues. C'est toujours les mêmes. La cinématique, le chargement qui dure 8 ans. Mais ça... Bon bah c'est ça. On passe, on a besoin de tout ça. La portée du radar a augmenté. Si nous voulons remettre pleinement le radar du Shepard en état de marche pour éteindre les zones de nos recherches, nous avons besoin que tu aies récupéré davantage de lumium. Et bien c'est ce qu'on fait, hein. On essaie de trouver du lumium. Alors on zappe tout ça. Je suis encore ébahi d'avoir découvert que Monsieur Olimar n'était pas le seul naufragé sur cette planète. Ma foi, le sos d'Olimar s'est propagé dans tout l'espace intersidéral. Il fallait s'attendre à ce que ce message attire l'attention d'amateurs d'aventure et en tant qu'équipe de secours, notre devoir est à présent de les sauver tous. Voilà un enthousiasme qui me plaît
Bien sûr, à mesure que nous accomplirons le sauvetage, le camp de base risque d'être de plus en plus encombré, Colin. Il va falloir que tu développes et étendes notre camp de base. À vos ordres, Capitaine. Ma liste de choses à faire s'allonge encore et toujours. Ok. Et un nouveau chargement qui fait plaisir. Mission de secours jour 4. Allez. On va voir ce qu'on... Ah, le toutou, il a 3 points. Schnoz semble vouloir discuter avec toi. Ok. On va dresser toutou d'abord. Alors, on va le dresser. Alors, la dernière fois, j'ai mis quoi? Ah, auto-soin, c'est ça que je voulais mettre. Allez, je vais mettre un auto-soin. Comme ça, il se soigne tout seul. Tu n'as pas économisé tes efforts pour apprendre. T'es vraiment un bon chien, regarde ce que j'ai pour toi. Ton travail est excellent, surtout ne relâche pas tes efforts. Mais oui, bien sûr. Qui c'est qui veut me parler? C'est Papa Schultz, il est où? C'est lui, non? Attends, c'est qui va me parler? C'est lui? Ah, c'est ça, Papa Schultz. Merci beaucoup de m'avoir secouru l'autre jour. Je ne suis pas très content de ce qui m'arrive, je dois bien l'avouer. Je suis venu ici parce qu'on peut y trouver des trésors rares, paraît-il. Je n'ai jamais eu l'intention de rester sur cette planète. Oh, pardon, je ne suis pas présenté. Schultz, évaluateur de trésors, je compile mes découvertes dans un catalogue. Voir le catalogue. J'ai cru comprendre que tu n'as pas... Ah, ok. Ah, oui, il a perdu ses données, bien sûr. Je renote tes réflexions à des divers trésors. Ok. Une récompense, bien sûr. Récupérer 50 trésors. 15 sur 50. Ok. Ne t'en fais pas, petite beauté plastique. Ta taille modeste m'enlève. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On peut pas descendre plus bas la caméra que ça. Dommage. Pas la mettre au ras, tu vois, au ras du sol. C'est un peu nul. Bon, et... D'accord. En fait, il va me faire des... Qu'est-ce qu'il dit sur la fraise? Commentaire. Ok. Ça va être que des choses très intéressantes. On le sent bien comme il faut. Ok, d'accord, super. Reviens me voir quand la vie te prend... Ouais, non. Non, non, ça ira. On va éviter, hein. Si on n'est pas obligé, on va pas y aller. On va se dire ça, des choses comme ça. Alors, tu dis, qu'est-ce qu'il a à nouveau? Je n'ai aucun doute que tu es... Allô, labo. Senseur, ce capteur détecte tout naufragé ou trésor dans les parages. Plus besoin de te fier à ton seul instinct pour te guider. Ça, c'est bien, on prend. Drone d'observation. C'est important d'exploration, d'observation dans toi, c'est pour un point de vue. Oh, on prend. Si tu as besoin de trouver ça, ok, d'accord, on va explorer maintenant, allez. On va retourner donc sur la planète qu'on connaît, hein. Je pense pas qu'il y a, je sais pas s'il y en a d'autres régions qui se débloquent là. Ah, il se passe quoi? Ah, il y a une nouvelle région. Mais j'ai pas fini la première, Terrasse Ensoleillée. Je vais continuer sur Terrasse Ensoleillée. Parce qu'il y a des zones qu'on n'a pas fait là-bas. On passe ça, on a dit des cinématiques, ça va. On a déjà des temps de chargement horribles. Si en plus on se tape les mêmes cinématiques 58 fois dans le jeu, c'est pas... Non, 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 en fait, non. Non, merci. Donc voilà quoi. Terrasse Ensoleillée. Alors, on était... Tu as des pousses Pikmin qui t'attendent. N'oublie pas de les déterrer à l'occasion. Ok. Ok. J'ai pas assez de Pikmin bleu, c'est dommage. Alors, on était là, on avait vu qu'il y avait des passages à faire. Là. Il y a des choses à faire encore, on n'a pas fini ici.
Ah, déjà ça. Attends. Déjà, s'occuper de ça. Attends, les gadgets là, inventaire, c'est dans l'inventaire, c'est ça? Ce don permet de... Il peut larguer jusqu'à 3 marqueurs aux endroits de votre choix. Ouais, la maniabilité, elle est spéciale. Waouh! Ah, il y a ça ici. Ah, c'est pas mal ça! Ah ouais, on voit tout. Ah, par contre, wow, la maniabilité, elle est... Enlever la pause. Placer un marqueur, enlever la pause. Bon. C'est spécial, hein. La maniabilité, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bon, ils ont fini. J'en ai pas assez, mais en même temps je peux pas. C'est compliqué de bien choisir quel Pikmin on veut. Allez, mes petits, ramenez-moi tout ça. Hop, vous venez avec moi. Alors, attends. Ok, là-bas, il va falloir s'occuper de ça. Il m'en faut 20. 20, je les ai. Hop, on déplace la base vite fait. Voilà. Ça. Ramassez-moi ça. Ok, ça c'est fait. Ah, ça, vas-y, ramène. Ok, tout le monde est là, parfait. Quelque chose à faire ici. Ça me paraît bizarre. Ok, je peux me cacher dans l'herbe. Attends, on a dit déjà ça. C'est quoi cette étoile là? Que cette étoile là. C'est par rapport au drone? J'essaie de les tuer les papillons moi. On sait jamais. Il y en a un qui est perdu encore. Hein. Voilà. Ah, attends, il me faut du bleu. Donc on va, il me faut du bleu. Voilà, tac. À l'envers, hein. C'est pas grave. Voilà, il faut plus de... Voilà, 20 bleus, histoire de passer ici et d'aller chercher. Ah oui, c'est le détecteur de ressources là, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais acheté ça. Ah, attends. Ça, vous allez le récupérer, les potes. Pas trop difficile pour vous, je suppose. Là, nous, on va s'occuper de ça. Voilà. Alors, je vais voir si je les laisse. Est-ce que la glace reste?
Hey, y a quelqu'un là-bas. Dandori, Dandori. Dorut, Dorut. C'était dans Star Fox. Dorut, Dorut. Dandori, Dandori. L'individu s'est enfui dans un trou. Le choc de se retrouver naufragé sur cette planète lui a peut-être fait perdre la raison. Michel Ochin allait immédiatement à son secours. Je vais juste voir si la glace reste. Ça m'intrigue. Si je les laisse là, est-ce que la glace reste? Oh, c'est quoi ça? Ah oui, non. Oui. Ça, on connaît. Ouais, apparemment, tant qu'il reste planté, la glace reste. Ça paraît logique. Ça paraît complètement logique. Donc ça, c'est bien. Je vais récupérer ça. Ah, vas-y, envoyez. Ça, c'est important. Donc, on récupère. Ah, bah, il y a ça qu'il faut aller chercher aussi. C'est quoi ce bruit? Cracher un bulbe? Non, il crache pas de bulbe. Hein. Ok, donc on repasse par là. Du coup, on repartit. Allez, vas-y, glacez-moi ça. Et on plonge. Vos pépites ne peuvent pas se joindre à vous. Toute tâche non finie à la surface sera annulée. Récupérez tous les trésors. Bah vas-y. D'accord. Les Pikmin ne semblent pas vouloir venir. Il va falloir se débrouiller sans eux. Vas-y, juste avec Ochin, Michel. Ok. Ah bah ça alors. Ça c'est intéressant. Garderie Dandori. Niveau de Dandori, une flamme. Oula, c'est quoi ça? Ah, une sorte de niveau à boss, je suppose. Avec des boss qui seront plus ou moins forts en fonction de... Cet endroit sert à tester le Dandori. En s'exerçant au Dandori, on améliore son Dandori. L'objectif est simple, il faut transporter un maximum de choses dans le temps imparti et c'est tout. Ah, je pensais qu'il y aurait de la bagarre. Les trésors ici sont tous factices. Tu ne pourras pas les remporter. Les Pikmin ici sont tous à moi. Eux non plus, tu ne pourras pas les emporter. Ça permet de s'exercer au Dandori encore et encore. C'est un bonheur total pour moi et pour toi. Que tu t'en sortes bien ou pas, vraiment, je t'offrirai des matériaux bruts. Si tu veux me faire sortir d'ici, montre-moi d'abord de quoi tu es capable en Dandori. Pas tout compris, hein, comme d'habitude. Mais... Attends, parce que là j'ai pas assez de Pikmin. J'ai pas tout capté là. J'ai pas tout compris là, ce niveau bizarre. Mais pourquoi ils viennent pas avec... Mais ils viennent avec moi? Ah, ils sont bloqués. Ah, oh, putain, d'accord, j'avais pas compris ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ça c'est bon. Attends, c'est compliqué l'histoire là. Putain, mais venez avec moi! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette tâche?
Ah merde, attends, faut pas... Ah, je suis tombé. Ah, fallait pas tomber, fallait pas tomber, fallait pas tomber. Ok, waouh, c'est compliqué là. Réfléchis bien par où commencer. Ah ouais, bah écoute. On essaye, hein. Oh, c'est pas évident leur histoire là. La plante. On pourrait être retiré. Ah! Après, ils vont où, c'est fou là? Ah, ils vont ici. Maître Tandori, écoute. Hein. Maître Tandori attendra son heure. Hein. Ah, ils attendent de l'aide là-bas. Ah, c'est un délire leur Dandori là. Attends. Waouh, ne laisse pas tes Pikmin inactifs. Ah, c'est compliqué les gars. Ah, attends mon pote. En fait, il aurait fallu que je leur donne à manger les fleurs là pour que ce soit un peu plus vif. Il est où mon chien? Je sais même pas où il est mon chien. Il est là, ce fou. Tu as battu mon record. Fallait que je casse ça pour aller plus vite. Ah, fallait que je pète ça pour aller plus vite. Ça fallait s'en occuper dès le début, comme ça j'aurais envoyé des troupes un peu partout. Mais c'est compliqué, hein. Pas évident du tout. Bon, bah ouais, voilà. C'est fini, l'excavation est terminée. Allez, ramenez-moi ça. On n'aura pas le temps. Dommage. C'était pas loin. Total 100. Nouveau record. Encore 20 pour la médaille d'or. Eh, c'est pas évident, hein, de bien s'organiser. Tu travailles trop vite, j'en ai la tête qui tourne. Voilà, 30 matériaux bruts, c'est ta récompense. Ça alors, ce feuillu s'est tenu, je me demande ce qui a pu le mettre dans un état pareil. En tout cas, je crois qu'on devrait saisir notre chance et le sortir d'ici. Ok. Si vous voulez... Si vous voulez. Les chargements. Les chargements. Non. Avec toutes ces feuilles qui lui poussent sur la tête, je n'arrive pas à l'identifier, mais ça reste quelqu'un qu'il faut sauver. Ça serait vraiment casse-pied si ce feuillu retourné se cachait là-dedans. Laissons cette grotte fermée par précaution. Vas-y, écoute. J'ai 1 milliard de rouge. Ah non, attends.
On va avoir un problème là. Comment je... Oh, putain, attends. Tablette, déjà j'ai un milliard de trucs, voilà, tout le temps. Ah par contre ça c'est insupportable. La tablette, le moindre truc que tu fais, il y a 50 new qui apparaissent. Ok, gadget capacité, ça c'est bon. Guide, je sais pas si... Ah, à chronique de Shepherd maintenant, ok. Super, journal de bord, ok, c'est bon. Non. Je suis obligé de tout lire là. Oh là là. Bon, attends, par contre, on va avoir un petit problème là. Il me fallait plus de... Putain, j'ai pas pensé à ça. Je fais comment pour passer maintenant? Je fais comment pour passer? Ah non! Ok. Bon, j'étais obligé de me noyer un peu. Oh là là. Quelle ingénuité. Qu'est-ce qu'il a? Pauvre routine, quelque chose semble lui faire peur. Ça va les manger, inutile de forcer. Ah oui, mais j'ai pas pensé moi ça. Ah les gars, j'ai pas pensé. J'ai carrément zappé. J'ai oublié où on était. Là, il faut que... Il me faut du bleu. Peut-être si vous voulez. Voilà. Allez, tout le monde rentre. On a sauvé le feu. C'est quand même surprenant ces feuilles qui lui poussent tout autour de la tête. Son visage est, comment dire, luxuriant. Je vais essayer de lire les données de son badge d'identité. Erreur d'identification PNF 404. Maintenant ? Comment ça, données illisibles ? Ne me dites pas que je n'ai pas accès à ces données d'identification. Ça, c'est un problème. Comment faire pour savoir de qui il s'agit ? Bon. Ça, c'est fait. Ah. Ah, regarde ce qu'il y a ici. Ça, c'est intéressant, par contre, là. Ça, c'est intéressant. Si on peut faire plus 10, là, maintenant, ça serait cool. Regardez un autre oignon. Il est d'une autre couleur que le premier. Vous croyez qu'il va aussi se mettre à se déplacer de lui-même si on le rapporte? On va voir ça. Allez, ramassez-moi ça, les petits. Ah, tout le monde y met la main à la pâte. Ils y vont à 40. Oh! Notre oignon a jauni. Ah, il a re-rougi. Bicolore. L'oignon bicolore. Incroyable. Les oignons ont fusionné un nouvel oignon de deux couleurs. Incredible surround. Produire des épines de deux couleurs, bah, ça paraît un peu logique, mais bon. Oh, attendez, tac. Quadricolore.
On laisse comme ça, ok. Ah, du coup, normal. Ah, oui, voilà, c'est ça en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je peux aller chercher du jaune ou du rouge. Bon, donc, plus qu'on ait le bleu, et ça serait bon. Pourquoi lui il a pris en rouge? J'ai mis un jaune. Bizarre. Bon. On va dire que c'est normal. Font quoi là-bas? Ok. Ok, ok. On avance. J'ai pas changé la zone, hein, quand, attention. Ah oui, là il m'en faut 30, c'est ça? Voilà, il me manque des bleus. Alors ici on a vu la zone. C'est le petit ponton. Après il y a cette zone à faire. Mais là je peux pas y aller. Il me manque des bleus. J'ai pas assez de bleus. Il y a quoi là-bas déjà? C'est de foncer là-bas. Je sais pas pourquoi il s'arrête tout seul. Il arrête de courir tout seul. Ah 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 ah, une zone qu'on n'a pas fait. Ah, ce truc là, je l'ai pas fait. Non, ok. Comment je suis censé passer ici? Alors là. Non, il n'y a pas de question de mettre du poids. Alors là. Pas grand chose à faire là. Ce passage, il faudrait y réussir à le passer. Bon, pour l'instant je peux pas, donc on va faire un autre tour. Après au pire j'irai sur l'autre planète, l'autre système à explorer. Là-haut, est-ce qu'on peut aller là-haut? Là il y a une construction à terminer, ça serait bien si on pouvait y aller. On peut y aller, ok. Faut que je mette une base. Ah, attends. Ça déjà. Il y a les jumelles. Il y a ça. Ok, il y a les jumelles ici. On va déplacer la base ici. Hop. Comme ça, je récupère les jumelles. Ok, ça se joue à pile. Oh, allez-y, poussez, poussez, poussez. Après, il y a un sous-sol à faire là. Aller dans le sous-sol, même si le temps joue un peu contre moi, mais terminé grade aventure. Oh, chaudron crépitant. J'avais plus chaud que d'habitude dans ma combinaison et en regardant le sol je me suis aperçu qu'il était en feu. J'ai paniqué mais un pikmin rouge m'a alors jeté un regard en coin. Ok, les Pikmin rouges résistent aux flammes, on y va. D'accord. Du coup, on peut pas prendre les bleus. Dans ce niveau-là, on peut pas prendre des bleus. On peut prendre des Pikmin glace dans un univers de feu.
Oui, oh, la caméra qui tourne toute seule, ça c'est magique. Alors, bon, on va s'occuper de ça déjà. On va nourrir tout le monde. Tout le monde mange à sa faim. Ok, c'est bon, tout le monde a graille. Parfait. Alors, notre petit imperturbable ici. T'inquiète pas, mon pote. C'est ça. Allez, on envoie tout ça à la base pour analyse. On envoie tout ça au labo, comme on dit. Je vais profiter de ce moment pour ça. Ok, voilà. Ça, on perd pas de temps. On maximise le temps. On récupère toute la bande. Tac, allez, venez. C'est bon, tout le monde est là. Tout le monde est là. On récupère tout ça. Attends, parce que là on voit le chemin à peu près qui veut nous amener. On a compris un peu le truc là. Bon, ça va être ça, ok. Alors on ramène tout le monde, c'est parti, on y va. On y va. Passer par là les jeunes. Je sais pas quel tour ils étaient en train d'essayer de faire, mais c'était pas le bon move. Voilà, là il y a un passage. Ça sera plus simple. Ah mince, il brûle. Des petits jeunes là-haut, je les avais même pas vus. C'était bien planqué ceux-là. Bon, on va récupérer tout notre petit beau monde. Hein. Ah, ça c'est un peu... ça a toujours été comme ça, il me semble, dans les Pikmin. Hein. Faut tout le temps leur courir après. Quand ils vont poser un objet, ils restent à l'endroit. S'ils ont plus rien à prendre, ils restent là-bas, ils attendent qu'on vienne les chercher. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Jeunes encore ici. Il y a pas mal de jeunes ici. J'aurais préféré des bleus un peu. C'est pas grave, on prend tout. On fait pas les difficiles. Ah,
Ah, y a quoi par là? Y a pas une route par là? Mais y a une route par là. Il y a plus une route par là. Bon. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour ici, non? Je vais attendre qu'ils terminent leur, leur petit périple. Allez, on y va les amis. On y va les Pikmin. Ah, il m'en manque un. La tablette encore au secours. Oh là là. Ah, putain, il y a un journal de bord. Au secours. En fait, ça m'énerve de voir des trucs nouveaux. Ça m'énerve. J'aime pas. Mais comment on enlève le nouveau sur ça, là? C'est bon, ça s'est enlevé le nouveau. Oh là là. J'ai perdu un Pikmin. Ah, il est peut-être mort au combat. Ah, attends, il y a ça, j'ai pas vu ça. Ah, il est là, il est là. Ah, c'est ça qui est dommage, c'est de devoir leur courir après. Mais bon. Attends, et lui là, pourquoi ils sont tombés? Ah, ils sont tombés. Et ceux qui tombent en fait. Ah putain, faut aller les chercher. Sinon, ils vont rester bloqués. Ah ouais, ils restent bloqués en fait. Ils sont incapables de faire un tour. En fait, quand on les appelle, ils font du tout droit. S'il n'y a pas de route, ils restent coincés et ils attendent. Ils attendent que je vienne les chercher ou sinon. En train de chanter? Waouh! La chorale. Allez, on y va à notre niveau, mais bien sûr qu'on y va. Chaudron crépitant. Bon, je pense que là, il y aura les flammes. La lave. Plus que les flammes, la lave. Ah, là on va commencer à parler de choses intéressantes. Et on peut les envoyer, ça c'est cool. Ils craignent pas les flammes. Le sol brûlant a été éteint, bien sûr. Alors là, j'en profite, je vais faire ça. Et pendant, et l'autre, hop. Voilà. Tout le monde travaille. Et tout le monde fait son travail comme il faut. Et voilà. Voilà une bonne chose de faite. Il ramène quelque chose lui? Oui. Tout le monde est là, 50 sur 50. La pile de matériaux, j'ai pas lu ce qu'il y avait marqué. Alors là, on va utiliser nos flammes, nos rouges. Voilà. Le jeune. Et on récupère tout ça. Ok. On est passé à 55. J'ai oublié personne. J'ai oublié personne.
Alors, qui est-ce donc? Mais qu'avons-nous là? Wally, ce ranger qui brille davantage dans les missions en solo qu'en équipe, sait mettre sa force au service des autres quand il le faut. Wally est un excellent ranger, même s'il travaille sans chien sauveteur, il est spécialiste des sauvetages en solo. Son expérience nous sera utile pour mener à bien notre mission. Ben voilà. On a retrouvé un ranger. Tu as trouvé Wally, notre ranger. Les deux derniers secouristes qu'il reste à te retrouver sont le docteur et le pilote. Ah ben voilà, on avance bien là. On va prendre du rouge. En fait, on va tout prendre. Hein. On envoie tout le monde, allez, c'est parti. Faites ce pour quoi vous êtes payé. Ah, j'en vais envoyer des jaunes, hein. Ça marchera pas bien les jeunes. Ok, donc on peut envoyer ça. Ok, ça c'est bon. Ça va, tu viens ici. Non, bon, ça là on peut remonter ici, ok. Bon, on va suivre tous nos Pikmin là, on va voir où... Ah bah attends. Il y a plein de lave ici, c'est pas bien ça la lave. Pas très gentil ça la lave. On trouve que des jeunes ici. Ah, attends, il y a un truc à creuser là. Oh, ok. Bon, ça va, c'est à côté, heureusement. Heureusement, le vaisseau est souvent à côté quand même. Nouveau trésor. Mais bien sûr, on en a 60 maintenant, c'est pas mal. C'est pas mal, 60. Je veux juste voir ça. J'ai perdu des Pikmin. On déplace la base ici, s'il vous plaît. Thank you. Et les Pikmin qui étaient là-bas, ils vont venir ou pas? J'en ai plus que 38. Putain, j'ai du mal à voir quand je perds des Pikmin. Ah ouais, j'en ai perdu tant que ça? Ah, sur le boss, j'ai envoyé des jaunes, ils ont dû cramer. Fallait envoyer des rouges, ils ont dû cramer sur le boss. Ouais, ça doit être ça. Bon, de toute façon, on va remonter, on va passer la nuit et puis on en aura fait assez pour aujourd'hui. Trésor de la terre, biscuit entamé, vaisseau chocolaté, trompe la langue, enduit lumineux, lit poussiéreux. Mmh. Ok.
Des Pikmin. Bon, on va laisser moi tomate. Hein. Alors, il est où mon vaisseau? Il est là. Et voilà, on va s'arrêter là, les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.